Salut les toqués, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire du lait de poule. Vous allez pouvoir le préparer avec les enfants parce que vous allez voir, c'est très rapide à faire. C'est délicieux et en plus, le Père Noël, vous allez pouvoir lui laisser un petit verre et des biscuits pour qu'il puisse être en forme pour la suite de sa livraison. Alors, est-ce que vous saviez que le lait de poule s'appelle comme ça parce qu'il y a principalement à l'intérieur des œufs? Donc, je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Et pour le lait de poule, il vous faut 2 œufs. Blanchissez bien les œufs avec votre batteur, il faut qu'il n'y ait plus aucun grain de sucre. Ajoutez les épices dans le lait. Faites chauffer le lait, mais ne le faites pas bouillir. On va verser notre lait chaud sur les œufs blanchis et on va le détendre au fouet. J'espère que le Père Noël sera heureux de retrouver sa boisson préférée. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez pimper votre lait de poule et rajouter du whisky, du rhum ou n'importe quel alcool qui vous fera plaisir. Mais si c'est pour le Père Noël, n'en mettez pas trop, il risque de se tromper dans les cadeaux, ce serait vraiment dommage. Dites-moi en commentaire si vous allez en préparer. N'oubliez pas de le laisser près du sapin ou voire même dans votre cuisine pour que le Père Noël puisse boire et repartir pour sa livraison. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut! Et voilà les toqués, cette recette est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le préparer pour le Père Noël et le mettre dans la cuisine où vous voulez, où vous avez envie. Non, pas du tout. Et voilà, notre lait de poule est terminé, j'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez la pimper et ajouter dedans soit du whisky, soit du rhum.